Et salut les druides, c'est le Druid Geek pour la Gata TV, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, c'est bientôt la fin du week-end. Et donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo détente sur le dernier opus de la série Stickman. Donc, le jeu se nomme Fleeing the Complex, il est sorti en 2015 et il a été édité par le studio Puffball United. Donc vous retrouverez les liens dans la description. Et sans plus tarder, on commence. Donc dans cet opus-là, Henry se retrouve dans un complexe pénitencier, donc il va devoir s'échapper. Grigori, take him. You wait here until cell found. Oh, il est bien accompagné. Alors, ça commence. Boost up, un coup de main, charge. Allez, on va jouer le mort pour rigoler. Is Grigori? Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Ils l'ont balancé par la fenêtre. Oh le pauvre. On va essayer de le charger. Oh non non. Allez cours, tu peux le faire. On prend les chaussures à Sonic. Et il se prend un stop dans le mur. On va faire les acrobaties. Allez, moi je te mets 10 sur 10 pour ces acrobaties. Allez, une petite pichenette. Voilà. Ça ne l'a pas fait. Le tool gun. On a été banni parce qu'on a cheaté. Donc on va prendre l'item. Mais où est-il? Sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. You still there? Attention. We have an escaped convict. He was last seen heading towards the surface. Ah, il fait plaisante. On peut choisir qui c'est qu'on va se faire. On va essayer de se faire. Il a pris une de ses droites. Bon, on va aller se cacher. Le petit animatronique de Five Nights at Freddy's que je ferai sûrement en vidéo histoire de rigoler un peu. On va essayer le tank. Il a pas fait long feu. Bon, bah, il reste plus que le gardien à l'épée. En mode petite RPG. He's up there somewhere. We cannot let him get through this gate. Oh, nice hat. Et leur chapeau, on dirait que c'est la Russie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les clés du camion, donc pour s'échapper avec le camion, un sandwich pourri ou un costume. Allez, on va essayer de se déguiser. Hey, you wanna trade hats? Those look so nice. Frosty's escaping. Allez, on y va en mode bourrin avec les clés du camion. Hey, you wanna trade hats? Là, ils nous poursuivent, on va essayer de s'en débarrasser. Il
fait quasiment du surplace, il s'est fait exterminer. On va sauter. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris trop de temps à cliquer. On va essayer l'autre. Ouais, donc c'est parce que j'avais pris trop de temps à cliquer sur le premier. I have to say, Henry, I'm impressed. Really, I am. You're the first person to escape the wall. Bizarre, il propose que l'étoile là. Est-ce qu'il y a un autre choix qui arrive après? You've got two options here, Henry. You stay in there. Bye. Or you return with us. You made the right choice. Bon, là, il se retrouve en cellule d'isolant. Ce n'était pas ça. Je ne vois pas ce que je peux faire avec l'airbag. Really, I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. On va attendre vraiment le dernier moment, voir s'il n'y a pas un truc, sinon on prendra l'airbag. Or you return with us back to the complex. What's it going to be, Henry? On prend l'airbag. Ce n'était pas l'airbag. Est-ce que le choix serait de ne rien choisir? On va essayer de laisser la barre se terminer. Alright, everyone back to work. I will not forget about this. Allez, malin, il ne fallait rien choisir. Mais au moins, il est présumé mort et il peut partir tranquille. Allez. Donc playlist, on l'avait fait. Ils nous ont balancé par la fenêtre. On va essayer boost up. On va essayer de s'échapper avec madame. Allez, on va l'aider. Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Mm-hmm. Oh, is this, Oh yeah, last night I kept facing the same deck. On va essayer ça. Oh yeah, last night. Ok. If we can get you up there, you could get in and open this door. Il y en a un juste au-dessus. Allez, on va utiliser la force. Ils ont libéré tout le monde. La grenade. On va essayer la grenade pour lui et le taser pour elle. Ça fait une très grosse explosion. Si on prend le sniper et le taser. Elle l'a tasé pour qu'il puisse tirer bien comme il faut. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. Are we waiting for someone or I thought you press. On va essayer de passer ni vu ni connu. With a third floor, we'll help them clear at maximum security. What do you think? Duh, I like. Who get the guards?
Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh, yeah. We transferred from the 8th floor. From the cafeteria? Nice try, inmates. Ça ne l'a pas fait. On va ici avec Tass. We'll regroup with that. There is convict here. Get down on ground. Oh, c'est l'hécatombe là. Let yourself in it. Boing. Make a face. J'ai trop envie d'essayer ça. What, you think that will upset me? Oh, very much so. Thanks, I guess. Now let's get out of here. Par où est-ce qu'on peut s'enfuir? À gauche, mais c'est direction la falaise. Par le camion, mais il doit y avoir beaucoup de monde. Et à droite, une petite moto. Et madame s'est barrée sans moi. Ah non. Oh, par contre, le coup du panneau stop ou sens interdit, ça fait mal. Et au moins, comme ça, il ne s'échappe pas tout seul. Alors. Donc, on va skip ça. Et ça va être tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rechercher pour les autres morts restantes, donc que vous ayez un peu de surprise. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, les liens sont dans la description, donc que ce soit les liens pour les réseaux sociaux ou du jeu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.